du tout. Il fait pas exprès du tout, là. Hein. Et voilà le trampoline, donc il s'était trompé d'engin, simplement. Regardez si c'est aérien, ces combinaisons de double saut périlleux avec des tours, des vrilles. Le public ne s'y trompe pas, il est silencieux. Attentif. Et attentif. C'était un grand nom du trampoline, si je ne me trompe pas, je regarde le visage. C'était Lionel Pioline qui a été 3 fois champion du monde il y a quelques temps. Donc il va sûrement tenter une difficulté. Vraiment des prises de vue magnifiques, Denis. Oui, ça c'est sûr. On se régale là au niveau des images de Jérôme avec ce très beau ralenti. Vous savez, c'est pas plus large que ça. Quand vous faites du trampoline, vous montez jusqu'à 7 mètres, 8 mètres au-dessus de la toile. Et en fait, le carré paraît petit, comme nous l'avions tout à l'heure à l'écran. Alors dès l'instant où ça devient très difficile, très difficultueux, bien évidemment, c'est moins spectaculaire parce que on sait que ça tourne très très fort, mais il n'y a pas l'amplitude d'un geste simple. Oui, quand même, il y a une multiplication de mouvements dans les airs qui est tout à fait impressionnante là aussi. Avec cette succession, ça va très vite, hein, du rebond jusqu'à la remontée. Ça va très très vite, hein. Un mouvement de trampoline, c'est 10 touches. 10 touches qui vont représenter quoi ? 35-40 secondes.